Bon, je vais voir s'il n'y a pas des trucs à trouver. Tiens, il y a une idole. Quel bordel. Améliorer la puissance d'attaque. Affronter le souvenir. Alors là, il y a une porte. Alors ce qui est marrant, c'est que là, il y a une porte. Et puis là, il y a autre chose. Alors du coup, je sais pas trop où aller. Vous voulez acheter une offrande ? Une offrande ? Oui, je vends des objets à offrir aux morts pour qu'ils reposent en paix. À vous voir, je parie que vous avez beaucoup de sang sur les mains. Allez, achetez une offrande. Ah oui, ok, donc là je peux acheter des choses, des bourses. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de sous, à vrai dire. Encore un rat. Oh, mais ses yeux. Un loup affamé. Avant que je te tue. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Pas de nom à donner. Vous autres, Shinobi, vous êtes tous les mêmes. Vous mourrez sans nom et sans personne pour vous pleurer. Toutefois, ton bras gauche, une prothèse Shinobi, elle me rappelle... C'est ça. Un loup à un bras. J'aime ça. Ce qui signifie Sekiro. C'est le nom que je vais te donner. Qui êtes-vous? Je suis le Tengu Dashina. Viens, Sekiro. Tu veux chasser quelques rats avec moi? Quoi? Des rats se sont infiltrés à Ashina. Ils sont partout, comme s'ils étaient chez eux. Il y a toutes sortes de rats dehors. Il faut tous les massacrer. Tous jusqu'au dernier. Tu sembles avoir du talent pour ce qui est de tuer. Laisse-moi t'aider à développer ce talent. Alors, Sekiro, viendras-tu chasser des rats avec moi? Très bien. Pourquoi pas, Yak, c'est une récompense au bout. Il te faudra ça si tu es avec moi, Sekiro. Description de rats, une description des rats qui se sont infiltrés dans Ashina. Parlez de nouveau au Tengu, qu'on serait occupé des rats. Les rats assassins du temple Senpo, petite taille, portant des chapeaux de bambou, sont plusieurs, vus pour la dernière fois près de la porte de château Ashina. Une tête de rat, et l'endroit où il se terre. Va le tuer. Je te donnerai quelque chose d'utile pour tes prochains combats si tu le fais. Ok. Alors, je vais juste ramasser ce qu'il y a à ramasser. Tac, tac. Il y a un étage, je vais aller voir.
Vous avez survécu ? Gyobu est enfin un cadavre, je suppose. Ça ne change rien, vous savez. Il y aura d'autres guerres, d'autres cadavres, et la haine continuera de prospérer. Où va toute cette haine ? Vous vous l'êtes déjà demandé ? Non, c'est pourquoi j'ai pitié. Ouais, donc ça me sert à rien. Ah oui, d'accord, donc je venais de là, et là je peux ouvrir la porte, ok. Alors, je vais juste aller voir. Est-ce qu'on peut monter tout là-haut? Donc j'aimerais voir quand même ce qu'il y a. Ah, stylé, perle de chapelet, je la prends bien volontiers. Ok, et là c'est quoi? Enfin, c'est un truc que je pourrais encore monter, mais. Alors, il a dit à la porte d'Ashina. Que je regarde un truc. Tac, tac, tac. Porte du château d'Ashina, mais en vrai les deux créatures que j'ai à tuer c'est ceux que j'avais tués avant d'arriver à Gyobu, le boss. Va le tuer. Je te donnerai quelque chose d'utile pour tes pro... Nous avons réussi à les retenir, l'armée du ministère de... Et si vous souhaitez utiliser quel que soit le pouvoir que je... Regardez, cette Ashina ne peut être défendue. Je ne sais pas encore. Beaucoup de temps, c'est... Attends,
Va le tuer. Je te donnerai quelques... Plus la dernière fois près de la porte du château d'Ashina, bah en vrai je pense à d'être. C'est là qu'il faut que j'aille, je pense. Bon, allez, on va ouvrir, voir ce que ça donne. Il semblerait que la maladie d'Ishin soit vraiment grave. Ashina ne tiendra plus très longtemps, même avec Genichiro à leur côté. Et pour l'autre mission ? Chapeau Noir se bat comme un démon, là où le château donne sur la vallée du serpent. Alors c'est là qu'on va ensuite. Mais faites attention, Furet Chapeau Noir ne se rendra pas sans combattre. Ouah ! Ils sont carrément chauds, bien fait. Ah.
Le problème du problème, c'est que je pense qu'il me faudrait la hache, mais il faut vraiment que je la trouve la hache. Bon, je vais aller voir parce que là ils avaient des chapeaux particuliers, alors c'est peut-être eux qu'il fallait tuer. Je vais aller voir si c'était eux, ces fameux rats là. Que tu t'es trouvé quelques rats. Oui. Je savais que tu avais du talent pour tuer. Parfait. Voilà ta récompense. Prends-la. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un abrégé décrivant l'escrime Ashinar permet d'apprendre les compétences Ashinar. Le texte prend la forme d'une histoire des combats d'Ashinar. Jeune Ishin s'est battu sans cesse et a peaufiné sa technique dans le sang de ses ennemis. Il a consolidé des découvertes. Ok. C'est... La voix de l'épée d'Ashina. C'est notre style de combat. Mais il n'y a aucune règle fixe ou imposée. L'important, c'est de gagner tes combats. C'est la seule règle importante du style Ashina. J'espère que cela te sera utile pour chasser les rats. Et plus encore, pour remporter la victoire dans tes combats à venir. Ok. On va voir. Je pense qu'il faut que je retourne voir le mec qui m'a enseigné pas mal de mouvements et que je lui montre ces livres là pour apprendre les techniques, si je dis pas de conneries.
Ou alors non, ça s'apprend directement là, je suis con. Vraiment utiliser cette chose pendant la bataille? Je sais. Et quel autre choix avons-nous? Quand la situation est désespérée, nous n'avons pas le luxe de réfléchir à ce que les autres pourraient penser. Oui, mais... Hé, du nerf, soldat. Continue de parler comme ça et je te colle un rapport. Et en plus, quand il est en colère, il fait pas de différence entre les amis et les ennemis. Je vais prendre celui de droite, s'il a une lance, il sera plus chiant. Welcome.
Ouh. Yes. Putain, je m'y attendais pas, le coquin qui débarque comme ça. Hein. En somme, il n'est pas si compliqué, mais il faut vraiment prendre son temps. Parler du temple Senpo. Le temple Senpo. Ah, le temple Senpo. Ok, il y a des sainte personne, quelqu'un de spécial. C'est Mira là-bas. Allez, joignez-vous à ma prière. Louez soit les cieux, louez soit les cieux. Il y a vraiment des cinglés quand même dans ce jeu là. Alors de toute façon, puissance d'attaque, il va falloir que je les fasse. En gros, c'est réaffronter les boss, donc ça faut que je le fasse. Mais là, je vais pouvoir augmenter un peu mes caractéristiques physiques. Voilà. Je vais récupérer un peu. Voilà. Seigneur Kuro, l'heure est venue, Damima. Oui, je sais. Maître Ginichiro attend, n'est-ce pas? Je vais retourner au sommet du château Ashina. Lou, ce sifflet de roseau que nous avons déjà utilisé, cette fois, il me servira à t'appeler. Est-ce que je peux passer par là? Ok. Qu'avons-nous là? Alors attends, parce que c'est marrant, ça me parle cet endroit. Je suis déjà passé par là. Non ? Des rapports signalent qu'un shinobi a été vu dans le jungle. J'en ai entendu parler aussi. Et dernièrement, c'est tous les jours. J'assure. Raison de plus, bon. Thank you.
Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. Non ! Pour Ashina ! Alors là, il y a l'air d'avoir un boss. Aïe! Ha. Bah faut que j'utilise ma réal trop rapidement. Faut que j'attende le plus longtemps possible. Autrement dit, faut que je sois un minimum meilleur. Parce que je vois que quand je contrôle bien avec Miraki, sa posture grimpe très vite, donc putain, mais voilà!
Oui. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'a fait chier, The Boss. Putain. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment fait chier, The Boss. Mais il n'y a pas de secret, là, vraiment, ce qui fonctionne le plus, c'est le contre-Miraki, là, vraiment, avoir la bonne posture. Je n'ai pas trouvé d'autres meilleurs moyens. Lou, une fois tu m'as dit, faites ce qui doit être fait. Mais je ne sais toujours pas ce qui doit être fait. Je ne comprends pas pourquoi ai-je hérité de ce pouvoir. Lou, une fois fait ce qui... Mais je ne sais plus... Je ne comprends pourquoi... C'est bizarre parce que le chemin à l'étage... Ah ouais, ça, non? Ok. Bon, bizarre, je pensais qu'il y aurait un truc au moins à trouver. Bon, on est bon, sauf que... j'ai plus trop de vie, donc on va s'en aller. D'ailleurs, j'ai combien de chapelets, là? Ouais, t'as 3 sur 4 si je dis pas de bêtises. Il y a des trucs par là, je vais juste aller me reposer. Ah non, je suis à 4 sur 4, donc je vais pouvoir augmenter. Hop. Voilà, la puissance d'attaque, je ne peux pas... Attaque au grappin, utilisez grappin pour vous projeter vers l'ennemi et servez-vous de ce mouvement pour accomplir une attaque de sabre en roulade. La prothèse de Shinobi est l'outil parfait pour combiner, et c'est quoi? R1 en utilisant le grappin. Puissante, et ça c'est quoi?
Compétence passive, médecine des mains. Une compétence passive qui augmente les effets des objets de soins. Ça serait utile, je pense, en vrai. Hein. Je vais les garder pour l'instant. Ok. Donc. Là, il y a un passage, on peut y aller. Fermé. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais... Très compliqué. Bon, ce que je peux faire, c'est essayer de retourner voir Dame Papillon. J'ai évolué depuis, donc peut-être que ça sera un peu plus simple, on verra. Non, c'est bien là. D'accord, donc lui il tire à travers la porte, c'est ça. Hein. Putain.
Allez! Yeah! Tu es devenu plus fort, Lou. Vous voyez comme quoi des fois revenir un peu plus tard et s'améliorer entre temps, ça permet de mieux gérer le combat. Là, j'ai eu pas trop de difficultés, là, du coup, à la battre. Oh! C'est quoi ça? C'était pas prévu au programme? Mais c'est qui nous a transpercé là avec son épée? Qui a-t-il? Sculpteur. Je n'ai tu vois. Une simple peste du dragon. J'ai vu. Oui. Je vous ai vu, avec le seigneur Kuro, dans une vision. Une vision? Oui. Où est le seigneur Kuro à présent? On le détient près du puits dans le château Ashina. Cependant, la porte du château est fermée. Je vois. Je suis contente. J'aimerais te demander... De quoi s'agit-il? S'il te plaît, montre-moi ton visage. Quoi? Cette marque blanche. Non. Alors c'est sans doute qu'elle apparaît sur ce... Ou alors... Vous avez fini? Oui. Je suis désolée. Au revoir. Eh bien, c'est pas grave, je recommence. Il faut être patient. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. Oh, pour Ashina.
Il est où le boss? Ah, c'est pas possible. Je suis vraiment un boulet, hein. Allez, attaque! Non! Ah putain! Yeah! Eh bien, il était chiant celui-là. Alors, il y a un petit coffre. Herbe divine. Ok. Ça va être une très très bonne potion. Ne s'ouvre pas de ce côté. Ok. Ok, ok, ok.
Alors, je suppose que concrètement... Je sais pas c'est quoi ce truc là. D'accord, c'est quoi ce truc ? La vache ! Waouh, mais c'est quoi ça? Ah, c'est trop, hein. La vache, je sais pas du tout c'est quoi ces ennemis, mais c'est de la folie. Là, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Donc... Qui êtes-vous, jeune homme? D'accord. Thank you.
J'ai affaire à des nouveaux ennemis que je ne connais pas du tout. Voilà. C'est bon à savoir, ça. Avec un coffre en plus. C'est vraiment pas évident, hein. Putain, c'est tellement galère. Des fois, faut ruser un peu parce que sinon, pouf. Ah, attends, là, il y a une porte. Ça, c'est quoi? Un fragment. Damema, dites-moi, qu'est-ce qui a causé l'état de cet homme? L'eau de jouvence. C'est ainsi qu'on l'appelle. Vous voulez me dire? Que c'est l'arme secrète à Sheena ? Oui. Ceux qui en boivent ne peuvent pas vraiment mourir. En fait, ils deviennent incapables de mourir. L'eau de jouvence. Elle provient du sang du dragon, n'est-ce pas ? Oui. Damema, je ne crois pas que le sang du dragon soit sacré. Pas du tout. C'est bizarre, ça sent le petit boss ici, non? Ça m'en a tout l'air. Eh bien, absolument. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. En deux coups, le Lucky qui va.
Wouah, mais il est trop fort le frérot là. Dégage et divine parce que là sinon tu vas me genouiller. Merci. Voilà. Non. Frérot, j'ai même pas le temps de reprendre ma vie. Yes. Voilà. Ouf. Bon, il n'est pas si difficile que ça, hein, mais il faut vraiment faire la posture au bon moment. Les fantômes rôdaient autrefois dans la China. Les éclairs des fantômes avaient une puissance divine qu'on pouvait bloquer par des moyens normaux. Ne restez pas au sol et ripostez par des inversions d'éclairs. Ouais, ok. Alors c'est quoi ça? Les éclairs traversent le corps de ceux qui ont les pieds au sol, ce qui les oublie un instant. Il existe une technique secrète pour absorber l'éclair en l'air et le renvoyer. On appelle ça l'inversion d'éclair. L1 en l'air pendant une attaque d'éclair. Chargé, R1 avant d'atterrir. Waouh. Ouais, bon, à voir, à tester.